Oh, la petite famille. Alors ça y est, vous rentrez de la maternité avec votre petit trésor? Oui, enfin, regardez-le. Oh, quelle merveille. Bon courage. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Et voilà mon cœur, bienvenue chez toi, c'est ta nouvelle maison. Coucou bébé. Coucou maman. Non mais t'es sérieux là, avec ton téléphone déjà? Ça va, c'est pour mes parents. Ça te va bien, toi t'es tout le temps sur ton téléphone. Oui, c'est qu'il est ennuyant papa avec son téléphone. Coeur. Ah, c'est mon amour. Qu'est-ce qu'il a mon cœur? Ah non, mon cœur. Oh, bébé. Oh, il doit avoir faim. Coucou. Petit cœur. Allez, viens, maman. Oh. Oh là 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 là. Salut. T'as faim, mon cœur? Oh oui. Oh oui. C'est bon, t'inquiète, je m'en occupe. Ah, oh, petit cœur. Tu me dis si t'as besoin d'aide. Ouais, mon cœur. Ça va, mon amour? Oh! Allez. Tu veux manger? Oh, oh oui, mon amour. Oh. Oui, Tétine, aujourd'hui, je vais vous parler de maternage proximal pour développer un lien profond avec son bébé. Donc, ça veut dire cododo et allaitement exclusif autant de temps qu'il faudra. Et c'est marrant parce que je vous parle d'allaitement et je sens que j'ai une montée de lait. J'en connais un qui va avoir faim dans quelques secondes. Non, mais on est tellement connectés, quoi. Oh. Mais t'es trop mignon, toi. Ça te va tellement bien, la maternité. Alors, j'ai vu sur les réseaux, ça s'appelle la matrescence. En fait, quand tu deviens mère, tu changes d'identité. Ouais, quand même. Ouais. Oh, t'es un super papa, toi. T'as tellement de chance qu'il s'en occupe. Oh là là. Ouais, c'est mon fils aussi, hein. Oui. Tiens. Oh, bien, merci, fallait pas. C'est gentil. Ah bah, ok, c'est pas pour bébé, ça. Parce que c'est pas seulement une mère, c'est aussi une femme. Hein? C'est Fred qui va être content. Pas oublié. Sexy time. Bah, t'étais pas en nuisette? Ah bah non chérie, tu vois. Ma nuisette, ça ressemble plutôt à ça en ce moment. T'inquiète pas mon cœur. Le médecin a dit que ça allait passer. Oh là là, ça m'embête de te laisser partir tout seul avec lui. Ouais, t'inquiète. Je gère. Je suis chez ta gynéco. Ah, tu lui dis bien hein, que c'est rien, que c'est juste un petit rhume. De toute façon, il vient de faire des vaccins, ouais, c'est normal. Donne-moi l'adresse du pédiatre. Ah oui. Alors. Salut mes tétines. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'un sujet hyper important, la VEO, la violence éducative ordinaire. C'est par exemple quand on dit non à son enfant, c'est de la violence éducative ordinaire. Il faut comme changer sa couche quand il n'en a pas envie, ou lui mettre dans un suppositoire. Allez, ça va aller. Coucou mes tétines, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. La mienne a démarré à 5h du matin avec un petit jogging douceur et un peu de yoga postnatal. Et maintenant, place à ma vie de mumpreneur avec deux rendez-vous super importants pour le projet secret. Vous savez, c'est très mauvais les ondes téléphoniques pour le nouvel an. Mais j'aurais dû lui dire que c'était pas possible. Bonjour Inès. Ah bonjour Maryse. Ça va? Oui, ça va, merci. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oh, merci beaucoup. Je suis là. Bonne journée Maryse. Ce rythme-là, s'ils sont tous comme ça, on va faire une équipe de foot, hein.
Il était en train de pleurer, là. Non, tout est bien. Mais non, je l'ai entendu pleurer. Bon, moi, j'y vais. À ce soir. Les deux sacs, c'est bon. Ah, il manque celui-là. Oh mon amour, je t'ai pas trop fait mal. Allez, lâche-toi. C'est normal, craque. J'en veux plus. Mais tu sais, ce que tu fais du mieux que tu peux, c'est ça être une super maman. C'est trop dur. Tu sais ce que je te propose? Allez, regarde. Tu vas aller à la boulangerie, tu vas t'acheter ce que tu veux, tu vas aller faire un tour, tu vas prendre 5 minutes pour toi. D'accord? Je le garde. Lâche tout, c'est normal. C'est dur ce que tu vis et personne t'y a préparé. Oh, tu fais du mieux que tu peux et c'est ça être une super maman.